Wesh mes frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui les frérots, ça va être une vidéo un peu bizarre, je vous explique. Donc j'étais tranquillement sur Instagram les gars, et là je reçois un petit message d'un frérot avec qui j'avais parlé, ça datait un peu. Et là il me dit, salut frérot, comment ça va? J'ai vu que tu étais Dijon, donc pour ceux qui savaient pas les gars, je suis Dijon. Si t'es chaud, je viens avec ma Lamborghini et on fait une vidéo avec tes frères. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo un peu à la GMK, donc ça peut être marrant. Surtout que les gars, vous connaissez Rémi. Rémi, dès qu'il est dans une voiture ou dès qu'il est dans un truc qui roule, il se met à vomir, donc j'espère qu'il va pas dégueuler dans la lambeau du frérot. Mais je me suis dit que ça peut être marrant. Nadim pareil, kiffe les voitures, donc voilà. Zizou il s'en fout, mais c'est pas grave, il viendra quand même. Les gars, aujourd'hui ce qui va se passer, c'est qu'on va aller à la rencontre d'un petit abonné qui a une belle voiture apparemment. J'espère qu'il a pas une tweetouille. Et du coup on va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop comment la vidéo va rendre, mais ici on aime bien quand c'est en freestyle. Donc c'est parti les refs, on va aller chercher les autres merguez. N'hésitez pas les gars à me dire à la fin de la vidéo si vous avez kiffé ce genre de petite vidéo. On en fera plus comme ça en mode freestyle, on prend la caméra et c'est parti. Et puis cassez-moi les pouces bleus, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis c'est parti les frères. Ah. Ça va mec? Je te dérange pas ça. Tu fais quoi? Tu fais du WP couché là? Arrête. J'ai quelque chose à te proposer mec. Il y a un abonné qui vient avec une Lamborghini. Tu aimes bien les voitures toi? Oui, moi j'aime bien. Non, je t'en fous. T'aimes bien être dans une voiture? T'aimes bien tout ce qui est transport, t'aimes bien tout ce qui est mal de transport. Voilà la rencontre d'un abonné, ok, qui a une Lamborghini, et on va tester une Lamborghini pour la première fois. T'es malade comme ça en voiture? Je sais pas, la tête qui tourne. T'as pas le choix mec, t'as pas le choix. Je donne 5 euros, on y va pas. Non, tu viens, je m'en fous. Toi, t'es quoi? Salut mec. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais mec? L'abonné, je vais te parler. Tu vas faire ta gueule à un abonné? Ouais. Allô? Ça va beau gosse? Ouais tranquille tranquille, tu joues à Fortnite avec Nadim? Il est nul hein? Ah t'as dit qu'il était moche aussi? Ah il pue? Ouais je suis d'accord avec toi, Non non moi je peux pas jouer frérot, on va tourner une vidéo là. J'ai quelque chose à proposer, tu aimes bien les voitures, c'est ta passion. Tu veux être voiturier aussi? Mmh. Ouais d'accord. Tu te rappelles la dernière fois t'avais une voiture qui coûtait cher, 1000 euros? 2000. 2000 pardon, tu te rappelles de cette voiture là? Aujourd'hui on va aller voir un abonné qui a une Lamborghini. Tu sais ce que c'est une Lamborghini? C'est une voiture. Oui mais t'sais ce que c'est ou pas hein? Une voiture qui coûte trop cher. Mais vraiment? Mais est-ce que t'es chaud mec? Ouais, déjà tu peux rester là. Non attends, je viens avec toi, Zizou. Ouais. Ouvre. Zizou. Mmh. T'es un grand passionné de voiture et de automobile. C'est mon programme, je kiffe. Il y a un abonné qui vient avec une Lamborghini. Une Lambo. Tu adores les Lambos? Ah c'est... T'en as déjà ah, vu? Oui oui oui. J'aime pas quand ça ressemble. en vrai, on rigole mes frères. Est-ce que tu connais un élément sur une voiture? Genre à part les roues, c'est un truc dans le moteur. Aujourd'hui, un abonné vient tout droit de Suisse. Va venir avec une Lamborghini. Je me suis dit ça pouvait être cool. Donc techniquement, il doit venir avec quelque chose comme ça. Mais c'est monstrueux, frère. Il va venir avec quelque chose comme ça. Donc gros, écoute, change-toi, mets-toi bien, mets-toi beau gosse, et on va à la rencontre de cet abonné. Et tu vois, essayer la voiture, Zizou. T'as le permis ou pas? On va faire ma deuxième heure avec lui, non? Ah, c'est parti. Tu vois, t'as deuxième heure de permis dans une Lambo. T'es chaud? Let's go, c'est parti. On va aller directement dans la voiture. Puis let's go, les gars. Du coup, on va aller à la rencontre du petit abonné tranquillement. Oh Nadim, 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 tu fais quoi? Ça c'est ma Lambo frère, ça c'est ma Lambo. Non c'est pas une Lambo Nadim, si. Non non, allez. Déjà elle marche pas, en plus t'es trop gros, elle avance pas. Et en plus c'est pas une Lambo, c'est une Mercedes mec. Mais ferme ta bouche. Comment ça ferme ta bouche? La garde quoi. Non je suis désolé de te l'avouer, en plus ton casque il est pas branché là. Si il est branché là. Il est branché à quoi? À ça. Pour écouter la radio. Ouais. Et t'écoutais quoi là? Toutou. Sors-toi le Nadim, Nadim, arrête. Oh, l'abonné va nous attendre. Va te changer. Non. Nadim, l'MP3 il marche pas. Allez. Nadim. Aïe. Mais arrête de mytho frère. Tu vas mettre tes chaussures et tu viens dans la voiture, c'est bon? Je t'attends. Ouah. Bon les frérots, ça y est, je suis dans la voiture, on va les attendre, je vais attendre qu'ils arrivent. J'espère que vous allez kiffer parce que c'est pas trop ce qu'on fait d'habitude, on n'est pas trop dans tout ce qui est automobile, tout ça. Peu importe le sujet, l'objectif c'est qu'on kiffe tous ensemble sur tous les sujets possibles. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais frère? Nadim, on va être en retard, l'abonné va nous attendre. Pourquoi t'es monté là? Avec ta tête de chauve là. Allez, descends frère. Pourquoi tu montes là? Pourquoi tu montes là si t'arrives pas à descendre? Viens, accroche-toi à mon dos. Mec. Ouais. T'as déjà été dans une Lambo? Ouais. T'as déjà été?
Ouais. C'est vrai? J'ai déjà fait le volant. Et aussi, pour Rocket League, je suis champion 1. Et aussi, j'ai une lambeau, mais elle est cachée, elle est dans la forêt. Ah bah on va dans la forêt alors? Non. Si si, allez on va voir ta lambeau. Si si si. Ah tu fais quoi toi? Ah tu pisses? On a pas des toilettes dans la maison peut-être. Eh vas-y vas-y toi, allez vas-y tiens ramène tes fesses là. Ah ça c'est dur. Najim. Najim. Oh vous me fatiguez frère. Oh les gars, il y en a un, il est en train de réviser son brevet là là. L'autre derrière, je sais pas ce qu'il faut frère. Non mais j'ai branché. J'ai branché quelque chose comme ça, il a de la musique. T'as branché à quoi? T'as branché là, à quoi? Là, regarde, là. Je l'ai branché à là et ça fait de la musique. Tu l'as branché à la ceinture et ça fait de la musique. Mais frère, mais pourquoi vous faites nimp là ce soir? Toi t'arrives à apprendre un truc là, tu vas me dire. Ah ouais, tu fais trop genre, en plus tu comprends rien. C'est pour me rassurer. Distributivité. Il me faut la mention très bien. J'aurai jamais la mention très bien. Bah oui, c'est ça le problème. Oh Zizou, c'est bon. Oui. Somebody love getting around somebody. C'est la musique de Shrek, non? Ouais. Mais comment tu connais ces trucs là, toi t'as 3 ans? C'est pas une musique de Shrek. Si, c'est Shrek. Du brevet 2022. Tu sais que tu vas avoir envie de vomir en regardant une vidéo dans la voiture. Bah je sais, c'est pour ça que des fois je fixe la route. Mais tu comprends rien depuis tout à l'heure, pourquoi tu fais genre? Ça se trouve quand pendant l'épreuve je vais me ressouvenir. Vas-y bah raconte-moi ce qu'elle est en train de dire là. Là je sais que vous parlez des maths, puis des théorèmes, des Thalès, Pythagore, ce que tu veux, mais okay. C'est quoi? L'hypoténuse. Allez vas-y barre-toi de là frère, c'est bon tu comprends rien. Et sinus. Ok ok. Est-ce que tu vises une mention déjà? Mais j'ai la mention assez bien dans tous les cas. Tu vises la assez bien? Non, non. Tu vises la bien, mais t'as la assez bien déjà. Ouais, ouais. Dès qu'il aura les résultats de son brevet, les refs, il y aura un commentaire en épinglé. Ça sera la note que Nadim, que Rémi a eue. C'est bon? C'est bon ou pas? Parfait. T'as vu, c'est ça. On gravira, c'est pas tout seul. T'as dit quoi? On gravira, c'est pas tout seul. Putain, t'es espagnol, toi, un peu. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Tu l'as vu, Nadim? Quoi? Tu l'as vu? Ouais, une Ferrari. C'était une Ferrari? Ouais, mais il est parti par là-bas. Écoute. C'est pas ça là, si? Si. C'est la rouge. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Aïe. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Très bien, très bien. Ça va encore mon gars? Ça va encore mon gars? Tranquille. Steven, enchanté, salut. Tu m'as déjà parlé en fait. Hein? T'as déjà joué avec lui mec? Il y a le contraste entre la Twingo et celle-là à côté. Oh parle bien. À la base, moi je l'ai rencontré sur Rocket League. En fait je crois que tu m'avais donné des trucs. Avec les œufs d'or là, avec une centaine. T'avais fait un opening, ouais c'était voilà. Ça. En fait je l'avais rencontré de là Zizou, tu vois ce que je veux dire? Et il m'avait donné c'était des trucs, c'était... Ça, ça date. Et du coup tu fais quoi? J'ai pas compris, c'est quoi? Tu descends de Suisse pour aller où en fait? Je me balade. Tu profites, ouais. T'as des séances à l'infini en fait. Mais toi du coup t'es de Suisse, c'est ça? Ouais, je suis de Suisse. T'as fait tes études là-bas, tu vis là-bas? J'ai ta famille là-bas et je vis jusqu'à présent là-bas. Oh Nadim! Tu fais quoi frère? Viens là, tu fais le guetteur là. Tu fais quoi toi du coup? Je travaille en tant que... dans l'assainissement en fait. C'est comme sanitaire ou plombier, comme, je sais pas comment on okay. Nous c'est l'assainissement et puis c'est une petite entreprise familiale, tu vois. D'accord, okay. Et sans indiscrétion parce qu'on se pose tous la question frère. Et une fourchette. Tu comptes entre 100... Attends, combien Nadim? 1200 je parie. 1200 euros? Ouais. Rémi combien? Je pense 300 000. Zizou, t'as combien toi? Non, 160. Ouais, on est dans ces eaux-là, 140. Ouais, 160. D'occasion, hein, je te parle. Et une très bonne occasion, bien entretenue. Sinon, tu les trouves à 80 000 rincés, tu vois. J'ai une idée. Viens, on fait une course, nous quatre, contre la voiture, chacun son tour. Ouais, vas-y. Et neuf, elles vont pas trop. Ah, mais l'autre, il s'est payé un petit marbre. Combien de kilométrages je pense? 87 000. Ouais. Viens voir. Monte l'intérieur frérot. Attends, faut faire kiffer. Ouais, mais climatition. Climatition là, chaud. Une climatition? Ouais. Ah, attends, t'as quel âge? 25 ans. Ah ouais. Il s'est fait un petit bâton. Ah ouais. Oh le monstre. Avec cette voiture là, c'est
Pas comme les nouvelles Huracan ou les nouvelles R8, tu vois. Ouais. C'est vraiment, c'est pur. C'est... Parce que maintenant, les nouvelles voitures, c'est très assisté. Tu conduis, on dirait que tu conduis un 4x4 ou une petite voiture. Ouais, ouais. Là, si t'accélères puis qu'elle a pas les aides, tu sais que ça part. T'as quelque chose, c'est pur. En fait, il n'y a que en la conduisant vraiment que tu peux te rendre compte. Comme les Murcielago, les vieilles Lambo. Une des dernières générations où tu as ce ressenti-là. Le moteur, il est devant ou derrière? Il est derrière. Ah. Non, mais que ça comme question, frère. C'est le Gallardo LP560. Les dernières phases quasiment, et elle a 560 chevaux comme c'est marqué. 560. V10 Atmo, donc c'est pur moteur, tu vois, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien. Il y a le mode sport. Oui, le mode sport et le mode Corsa. Viens, on fait chacun son tour, une course contre la voiture. Mais arrête avec de faire. Allez. Attends, on peut voir le moteur, ça donne quoi? C'est un monstre, hein. Oh, comment il fait chaud. Oh, la dinguerie. Wow. Frère, t'es trop posé dedans. Bon, en vrai, elle est bien. Mais la Twingo, elle est mieux. Oui. Bah oui. On est d'accord. Bah oui. Vas-y, t'as plus une accélération, vas-y. Bah là, j'accélère là. C'est nul. T'as fait quoi toi comme étude du coup? Alors moi c'est très compliqué hein, parce que j'ai fait informaticien 2 ans, j'ai travaillé dans une gérance, donc en gros ceux qui gèrent les immeubles et tout ça, dans l'immobilier j'ai travaillé aussi 2 ans. Puis après je me suis dit devant j'en avais marre d'avoir des petits salaires d'apprentissage, tu vois. Ouais. C'est bon, je commence avec ma famille. Toi. En plus ouais c'est ça, t'as l'avantage de direct reprendre le truc de la famille et... C'est ça. Il fait... Dans les nouvelles, il n'y a pas ça. C'est brutal, c'est violent. Ok, ouais, je capte. Ça mère. Mais c'est vraiment la coup, frère. Tu sens que t'es vraiment dans une machine, genre. C'est vraiment violent. Machine de guerre, c'est frère. Brutal. T'as vu, on est comme dans un karting. Ouais. Tu vois quasiment rien devant. Bah, c'est pour ça, je pense, au bout de, comme t'avais dit, 5-6 heures, tu vois. Ouais, après, ça dépend le plaisir que t'as à conduire un véhicule. Ouais, ouais, ouais. Si t'as un certain plaisir, t'es passionné. Ça, ouais, normal. Tu kiffes. Après, c'est pas une voiture parfaite. Tu sens à l'intérieur, il y a des vibrations un peu partout, mais c'est normal. C'est, voilà, c'est vraiment que pour le week-end. Et puis, Ouais, c'est vraiment voilà, tu profites. C'est pas jamais tu vas t'amuser à faire ça. Ouais, bah oui, normal. À la conduire tous les jours, c'est vraiment pas une voiture. Ouais, ouais. Tu peux, hein. Ça dit quoi? C'est incroyable. C'est une dinguerie. Ça va? Ouais, c'est trop bien les sièges. Je vois même pas le pare-brise. Si je vomis, t'inquiète, je nettoierai. Baptiste. Mais attends, il y a un truc de surveillance à côté là. C'est chaud là, je suis fier en moi. Ouais, c'est trop bien. Oh mon cœur. Oh, j'ai la tête qui tourne. Non, déjà? Ah, moi je suis trop sensible. Mon cœur, il monte. Je sens que tu respires un peu fort, on va rentrer à la base. Ouais, je pense. On va faire une pause. Non, en vrai de vrai, Zizou. En vrai, nous deux qui sommes pas trop voitures. C'est un truc de fou. Là, en vrai de vrai, les refs. Là, je comprends les passionnés de voitures. Oh, j'ai la tête qui tourne. Ouais. J'ai la tête qui tourne. En vrai, Rémi, ça dit quoi? J'ai mal à la tête, là. En vrai? Ouais, je te jure, j'ai la tête qui tourne. Non, je te jure, c'est pas une blague. Non, la première accélération, elle est impressionnante, frère. Un petit tour, il va tranquille. Que normalement, il faut avoir 10 ans, je crois, pour monter devant. Mais la ceinture, on roule très tranquille. Regarde comment il a fait. Nadib, t'inquiète, il va faire tranquille. Tiens, Nadib. Voilà, c'est pour s'envoler. Okay. Là, c'est pour l'acclimatation. Okay. Là, c'est pour mettre la musique. Okay. Là, c'est pour s'envoler dans l'espace. Okay. Ça, c'est pour monter le siège. Tu connais tout? Je crois. Et là, c'est pour les hélices en haut, il fait tout pile blade bay. Ah. Mais moi, je vois rien, en fait. Moi, je suis trop petit, je vois rien. Oh, on est au max là. On est au max, il peut pas avoir plus. On le voit pas. Bon, on y va, Nadine. Nadim, t'as kiffé ou pas? Ouais, je peux refaire, mais avec plusieurs accélérations. Tu veux refaire? C'est trop fort pour toi. Bah oui, mec. Mais en fait, quand elle roule, j'ai vu du noir.
Ouais. Je crois que t'as dû voir l'enfer. Quel... Ah mais je vais pas voir. C'est quoi la taille en hauteur là? Aucune idée. Que... Vas-y Nadine, mets-toi à côté. Mets-toi à côté Nadine. Je crois qu'elle est exactement là. Ouais, bah ouais, c'est la taille de Nadine. Bah non, regarde. Elle est plus petite quand même. Hein. Bah même plus petite que Nadine. Oui. Merci frérot, merci pour le déplacement. Bah, avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir. Vraiment c'est gentil. Normal, c'est pour vous faire kiffer aussi. Bon, on peut aller manger un petit bout. Ils sont juste derrière là-bas là. Hop. On a fait une course, voilà. C'est nous qui est en train de gagner. Là, on va aller grailler au McDo. Bon, les mecs, on va se faire un petit domac là. On va se poser un petit coup avec le frérot. On a vu un peu la voiture, tout ça. J'espère que vous avez kiffé les petites séquences, les gars. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, en fait, ils descendent la Suisse. On va aller au McDo manger un petit bout avec le frérot. Je le dis encore une fois, les gars, à la base, Zizou et moi, on n'est pas voiture du tout. Genre, on s'en fout. Mais là, quand j'ai vu la voiture, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est un truc de ouf. Allez, on va jouer avec Nadim dans les jeux. Hop là. T'aimes bien le toboggan toi? Bon bah ça va être la fin mon frérot. C'est un plaisir mon ref. Fais attention, attention la route. Mon ref. C'est super lourd. La prochaine. Voilà, voilà, voilà. Hé, ta Ferrari elle est trop belle. C'est une Lamborghini Nadine, c'est pas une Ferrari, c'est une Lamborghini. Ça fait 3 heures qu'on est avec lui, c'est une Lamborghini. Bon bah les frérots, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé les gars. Ça sort un peu de l'ordinaire les refs, mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. Cassez-moi les pouces bleus, abonnez-vous. T'as pissé, Rémi t'as pissé. Et toi, attends, tu vas prendre un truc.